Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus de vous avoir nombreux à scotcher sur vos téléphones, sur vos devices que vous me suivez. Merci pour tout le monde qui est en train de nous appeler. Merci pour le soutien que vous ne cessez de nous faire. Les abonnés commencent encore une fois de plus à revenir. Merci beaucoup. Maintenant que nous sommes permanemment sur le réseau, donc nous allons commencer à vous venir tous les deux jours parce que nous avions mis en berne un peu, encore une fois de plus, le projet dont je vous parlais dans le passé qui devra être relancé au mois de juin de cette année. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quoi, chers amis? Nous allons parler, encore une fois de plus, de l'état de siège, de l'insécurité à l'Est, de ces événements qui se tiennent à Nairobi, ces assises qui se tiennent à Nairobi, où il y a dialogue avec tous les groupes armés opérant à l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, nous allons voir les pour et les contre de ces assises. Pourquoi est-ce que le président de la République a-t-il accepté encore une fois de plus d'aller à l'extérieur du pays pour causer avec ses propres frères? Et nous allons voir, nous allons apporter notre solution et nous allons vous montrer comment est-ce que le président de la République ne maîtrise pas la situation à l'Est. On est en train, au lieu de se mettre sur une table d'abord à Kinshasa et réfléchir et prendre les directives et analyser les choses pour que nous puissions maîtriser la situation et chercher finalement la solution. Parce que si on y va comme ça, en tâtonnant, en y allant, nous n'allons pas trouver de solution. Donc, bref, dans cette introduction, nous allons parler de l'insécurité à l'Est et comment trouver une solution définitive à cette insécurité et à cette guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, avant d'aller un peu plus loin, mes chers amis, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour développer le sujet que nous avions dit. La guerre à l'Est et l'insécurité. Comment terminer la guerre et l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo? À tout à l'heure. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Kinshasa, plus de 30 morts à la prison centrale de Makala en un mois. Et puis, Kasaï Oriental, à quelques jours de l'élection du gouverneur, la société civile dit non à la corruption. Et puis Kisangani, encore une fois la ville de Kisangani de nouveau replongée dans le noir. On va sur actualité.cd. La CENI dispose de beaucoup d'éléments susceptibles de lui permettre d'organiser les élections locales en 2023. Et puis Ituri, deux morts et une dizaine de personnes kidnappé par le présumé ZDF à Mangouba. On va sur Congo profond. Fin du Ramadan à Goma, toutes les activités dans les endroits publics interdites. RDC, suspension des contrats forestiers illégaux. Six anciens ministres de l'environnement dans l'œil du cyclone de la justice. On va sur 7 sur 7. Il n'y a pas de guerre en RDC. Gilles Linguette regrette l'exploitation malencontreuse de ses propos par des personnes instrumentalisées. Et puis, procès Tchebeya, le verdict attendu le 11 mai. Assemblée nationale élit premier président André Mbata remplace Kabunda. On termine par Radio Okapi. La famille d'un jeune homme assassiné plaide pour la détention de son présumé meurtrier. Maïndombe, un voleur présumé lynché par une foule à Inongo. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, parlant de l'histoire d'abord des accords de Nairobi avec les groupes armés opérant à l'est de la République démocratique du Congo, nous savons bien que ça n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi. Nous savons bien que ces accords avec le M23 datent de plus de, je sais pas, de 2016 ou 2014 là-bas. Donc,
ce sont des accords que le M23 avait signé avec le gouvernement pour terminer les hostilités et pour que le M23 puisse rentrer et au fait être comme un mouvement politique et la cessation des armes, tout ça, de déposer les armes. Il y avait un accord qui était concluant et puis les hostilités à l'Est avaient essayé un peu de diminuer. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y avait cette histoire-là? Pourquoi est-ce que les gens sont partis négocier à Nairobi? Ça, c'est la question. Pourquoi est-ce que nous avions accepté d'aller causer à Nairobi pour une guerre qui se trouve chez nous? Ça, c'était la première erreur d'abord. Ça signifiait que nous les Congolais, le gouvernement congolais n'avait pas la maîtrise et ne pouvait pas maîtriser cette guerre-là de M23. Pourquoi on n'avait pas la maîtrise? C'est parce que notre armée était faible. C'est que notre armée n'était pas organisée pour faire face à une certaine rébellion. Parce que si nous comparons, par exemple, le rébellion que Mobutu avait maté à Kolwezi, à Moba, à Kamanyola et tout ça, excusez-moi, Mobutu avait l'armée. Mobutu avait tout. Il ne pouvait pas avoir peur. Il avait une armée forte, bien commandée, bien guidée, tout ça. Mais comparativement à Kabila, il faisait montre qu'il avait une armée. Mais les rébellions qui venaient ne venaient pas justement de ce que d'une dynamique interne. Les dynamiques de nos rébellions aujourd'hui à l'est du pays, ce n'est pas de la dynamique interne. Ce sont des rébellions souvent commanditées par l'extérieur et nos pays voisins. Et nous avions accepté ça parce que quand vous regardez l'histoire à partir de 2016, à partir de 2006, ou disons 96, comment est-ce que nous traversons cette période où notre pays s'est lié, donc le politicien, quoi, notre armée, a été accompagné par des armées étrangères qui avaient des intentions hégémoniques ou bien d'expansionnistes de leur empire ou quoi que ce soit sur notre pays. On nous a accompagnés pour chasser Mobutu en profitant justement de se dire que non, c'est le moment pour que nous puissions profiter de ce grand pays. Et tout ça, c'est la conséquence. Je parle des sources lointaines de cette guerre. Ainsi, pour aller un peu en avant, nous avions vu qu'il y a des choses que même l'armée de Kabila ne maîtrisait plus. Il ne pouvait plus faire face. Alors, il a fallu qu'il soit aidé. C'est comme ça que ces commanditaires, les gens qui entretiennent encore ces guerres, lui ont proposé, venez ici. Venez ici parce que ici c'est un terrain neutre, vous allez causer. C'est ça le pourquoi de Nairobi. C'est que si les gens attendent que non, et disons ne comprennent pas pourquoi Nairobi, c'est comme ça. Parce que les commanditaires sont dans notre armée. Ils vont vous dire que non, nous ne serons que en sécurité à l'extérieur. Nous allons aller à Nairobi ou sur un terrain neutre où nous allons parler. Pendant ce temps-là, c'est le gouvernement de Kinshasa qui finance même les voyages de tous ces leaders des groupes armés. Nous voyons bien que Kinshasa ne maîtrise donc pas la situation. Kinshasa ne maîtrise pas ces acteurs-là. Il ne maîtrise pas. Pourquoi? Notre armée, biso ba Congolais, tolobaka belé belé, tolobaka mingi. Armée na biso eza armée ya eza organisée te pour gagner guerre. Soyons conscients. Tomitala na miso toye bandenge ni nango tozosala. Et quand nous commencerons à accepter nos faiblesses,
Et cela, ça sera le début où nous commencerons à trouver des solutions à résoudre les problèmes de l'Est. Si nous savons que nous ne sommes pas organisés, nous ne pouvons pas nous engager dans l'option militaire, parce que ces gens-là vont, vont rigoler de nous, ils vont se dire que non, pendant tout ce temps, vous avez essayé de nous taper, mais vous n'avez rien fait. Nous sommes en train plutôt de contrôler. Cette guerre de l'Est ne terminera pas par les armes. Alors, quelles sont les responsabilités de tout un chacun de nous? La responsabilité d'abord de Kinshasa, c'est de reconnaître que non, je n'ai pas une armée qui peut terminer cette guerre sur l'option militaire. Mais quel est le plan que je dois prendre? C'est comme ça que j'ai dit, il doit y avoir une étude bien faite, que les gens puissent réfléchir sur les besoins. Comment est-ce que faudrait-il infiltrer ces réseaux de rebelles pour finalement les exterminer ou bien les éteindre? Quelle est la politique appropriée pour terminer cette guerre? Avons-nous vraiment réfléchi? Qu'est-ce que nous devons avoir comme suprématie afin de mater toutes ces rébellions? Faudrait-il avoir beaucoup de militaires? Or, nous avons une armée qui n'est pas organisée. Donc, l'option militaire est aussi mbakaté. Ça, ce sont les faits. Mais lorsque nous nous cramponnons à nous dire que non, nous sommes en train de les taper, les lignes sont en train de bouger, l'état de siège a changé les choses, pendant que sur le terrain, rien n'est fait. Maloba kaka ya pamba. Tozo loba kaka, mais sur terrain, loko moko ezo sale maté. Et loko moko ezo sale maté, ba tueri ezo ko continue na Ituri, na Beni, parce que tout ce côté-là, vie eza malamouté. Alors, qu'est-ce que nous devrions faire? Quelle est la solution que nous, ici, nous avions dit qu'il fallait faire au lieu de commencer à tergiverser, à penser que la paix viendra de Nairobi et tout ça. Mes chers amis, en préparation, lorsque je suis en train de préparer cette émission, je suivais toutes les délégations qui sont à Nairobi là-bas. Je suivais leurs déclarations, je suivais même les chefs de milice. Il y a d'autres qui se disent que non, Batumsusu Bazali Kuna, Bango Batindeli Bangote, ba invitation, tout ça, ça devient une affaire que Batumsusu Bazolo Bakeno, ceux qui sont à Nairobi ont été choisis par le Rwanda. Beaucoup trop de discussions que non, Batumsusu Bazimbongo moi et Bele, Batumsubiso, Tozimbongo Mouke, tout ça, ce n'est plus de la paix. Ce n'est plus la paix qui est discutée là-bas, ça devient une distraction. Ça devient une distraction, ce qui se passe à Nairobi, c'est une distraction. Parce que être là, ça signifie qu'on va vous donner 15 000 $, 11 000 $, vous allez aller dans l'hôtel, vous allez faire ceci, tout ça. Et c'est de l'argent de la République qui est en train d'être gaspillé comme ça, pour des histoires qui ne vont rien aboutir. Je vous promets qu'à Nairobi, là, cette négociation va terminer en queue de poisson. Ou même, elle ne terminera pas parce que ces gens-là n'obtiendront jamais une résolution telle que nous allons faire ceci, nous allons appliquer ceci, ceci se fera comme ceci. Non. Pourquoi? Parce que toutes ces exigences-là fera à ce que le gouvernement de Kinshasa ne saura pas être à mesure de répondre à ces exigences. Ils vont poser des conditions que non, s'il faut faire ceci, Kinshasa doit faire ceci, nous devons réintégrer l'armée, nous devons faire ceci. Tous ces accords-là, Kinshasa ne vont pas les résoudre. Pourquoi? Parce que même les résolutions de M23, avec les accords de M23, toutes ces résolutions n'ont jamais été implémentées. Alors, quelle est la solution que nous avions dit que le président devrait prendre comme solution? Parce que ici à Contact Pro Life, nous vous disons que nous ne faisons pas, nous ne pérorons pas, nous ne faisons pas tout simplement des déclarations, quoi que ce soit, de se plaindre, quoi que ce soit. Nous apportons des solutions. C'est pour cela que notre média, c'est un média d'élite,
des gens qui réfléchissent. Nous n'avons pas besoin de toutes ces masses, mais nous réfléchissons et nous mettons nos solutions sur table. Alors, quelles sont les solutions que nous avions proposées? Et nous l'avions communiqué aussi à Kinshasa, nous l'avions dit, n'allez pas à Nairobi. Nous avions dit au président de la République de ne pas aller à Nairobi. Ce n'est pas à Nairobi que la paix viendra. Nous avions dit ceci, ce que nous avions communiqué à la présidence de la République, c'est celui-ci. Nous sommes en train de tergiverser sur le nombre de groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Nous ne connaissons pas, ils sont combien? Nous ne connaissons pas leur nombre. Est-ce que ces groupes armés, il y en a combien? Quel est le nombre de ces gens-là? Seulement pas. C'est comme le parti politique à Kinshasa. Quelqu'un peut avoir un parti politique sur papier, mais il n'a pas de membres. C'est comme ça que nous nous sommes dit, appelons, disons, créons créons un mouvement. Des opérations à Manileo, comme on avait déjà dit, qui appellera tous les hommes en armes, groupes armés, dans chaque territoire, à venir s'identifier pour participer à ces assises de rechercher la paix dans ces territoires-là. Sur le territoire qu'ils opèrent, venez vous identifier, allez causer avec l'administrateur des territoires, mettez vos réclamations sur table. Comme nous avons à peu près une affaire de territoires au nord Kivu et au sud Kivu et à Ituri, chaque territoire devra dire combien de ces groupes armés existent dans leur territoire. Et ces groupes armés devraient s'identifier parce que le président de la République devrait tout simplement déclarer « Moi, je ne veux pas arrêter quelqu'un. Mais je voudrais en ce que tout le monde d'abord se mette d'accord. Mais vous ne viendrez pas à Kinshasa. Identifiez-vous d'abord dans vos territoires. Comme ça, nous savons que vous êtes à combien. Quels sont vos desiderata? Qu'est-ce que vous voulez ?» Voir quelles sont vos réclamations. Ainsi, chaque territoire sera, par exemple, il dira, dans notre territoire, nous allons faire une conférence de paix dont 50 groupes armés vont participer et ces groupes armés, tel groupes armés, et sont représentés par leur chef, c'est tel, et ils sont à combien? Quel est le nombre de ces militants ou bien de ces combattants dans ces groupes armés-là. Il faudrait d'abord passer par une opération d'identification officielle afin que tous ces gens-là puissent se mettre à collaborer. Dans les Ituri, les Codeco et tout le monde se disent que non, ok, nous allons nous mettre sur une table. Nous, les Codeco, nous sommes au nombre de 600. Nous,
Et chini ya Kilima, nous sommes au nombre de 300. Nous ici, nous sommes au nombre de ceci. Alors nos représentants vont être... Et ces représentants-là, dans chaque territoire, vont parler. Et c'est le gouvernement de Kinshasa maintenant qui enverra peut-être des émissaires dans ces talks-là, dans ces dialogues. Il ne faut pas que le président de la République se présente à aller causer avec les rebelles. Non, ça c'est dégrader encore le président de plus. Ces gens-là devront se regrouper dans toutes ces entités-là territoriales en disant que nous, nous voulons ceci. Pour que nous ayons la paix chez nous, voici les conditions. Voici, nous voulons la gestion, par exemple, de ce pays. C'est comme ça que j'ai dit, tout ça devra appartenir dans une solution globale de la République démocratique du Congo. J'ai brossé tout simplement que comment est-ce que ça devrait se faire au lieu d'aller chaque fois à l'extérieur. Nous avions demandé encore une fois ceci avec Kabila. Nous avions dit que la solution, ce n'était pas aller à Addis Abeba ou à Gaborone ou quoi que ce soit. La solution, c'est de causer dans les territoires où opèrent ces groupes armés. Le problème qui se passe au Sud Kivu, par exemple, avec les Banyamulenge et tout ça, c'est donner le pouvoir à tous ces assises qui vont se mettre d'accord en se disant « L'insécurité est dans notre territoire. Nous devons assurer l'insécurité pour que plus question qu'il y ait, quelqu'un puisse être tué. » C'est ça les objectifs que nous devrions dégager. « Batouana, Obazo, Salaba, Makele, le Kuna, si ce sont les ADF, qu'ils viennent dans le territoire de Lubero en disant que c'est nous, les ADF, nous voulons causer et nous ne voulons pas ceci, nous voulons... Nos desiderata, c'est ceci. Et tous ces groupes armés vont se dire, ok, maintenant nous allons nous unifier pour mettre la paix. Parce que tout quand tu attends, ce que vous avez dit, c'est que vous avez interview, il y a un oyo, bazana Nairobi, kuna mutunyo sazolo bakaka, non. Biso tolingi président de la République, na biso aye la biso pe, tunapenda amani kwetu, tunapenda tout. Il n'y a personne qui est pour la guerre. Ces gens-là, donc, si vous les aviez appelés dans leur milieu respectif, en s'identifiant, en se mettant ensemble, en se disant, causez là-bas avec l'administrateur des territoires, et ce que vous allez mettre, et ce que vous allez causer, vous allez les appliquer. Donc, vous aurez le pouvoir, par exemple, d'appliquer, de rechercher la paix dans votre territoire et d'appliquer les mesures que vous allez prendre. Il n'y aura personne qui viendra de Kinshasa qui viendra dire que non, vous faites ceci, vous faites ceci. C'est en cherchant à s'imposer, à imposer les armes que tout le monde se dit que non, maintenant je suis rebelle. Parce que ce qui se passe en République démocratique du Congo laisse à désirer. Personne ne veut ce qui se passe. Il y a la redistribution inégale des richesses. Il y a des régions qui ne sont pas développées, tout ça. Il y a beaucoup de problèmes. Alors, il faut mettre tout ça dans une assiette. C'est comme ça que nous nous sommes dit. La solution doit être globale. Méfiez-vous de tout ce que tu es en train de faire là-bas. Donc, les régions dans lesquelles il y a de l'insécurité, la sécurité devra être justement des questions qui seront traitées lorsqu'ils feront l'appel à cette conférence dont nous appelons les états de lieux de territoire. Chaque territoire devrait comptabiliser, c'est dire que non, nous avions des groupes armés, Bande Koboya. Nous sommes en train de faire l'état de lieux de notre territoire parce que le pouvoir va changer. Nous préparons à ce que nous tous nous puissions vivre en paix. Et c'est comme ça que je me suis dit, la solution pour que ces gens-là se sentent en sécurité, c'est que l'armée congolaise, le FARDC, dans tous ces territoires où il y a des petits problèmes de rébellion, il fallait que mettre ces états de lieux, proclamer par exemple le cantonnement de FARDC, afin que les états de lieux puissent créer la police de proximité, composé justement de tous ces gens des groupes armés. Ça ne sera pas l'armée, ça sera une police de proximité, justement pour apporter la paix. Ça sera dans le but d'apporter la paix, parce qu'il n'y aura pas de raison à ce que nous sommes en train de combattre qui.
Nous n'avons pas un adversaire devant nous. C'est nous, le peuple, qui doit nous prendre en charge. C'est ça la solution que nous nous sommes dit. Au lieu de perdre de l'argent, du temps, qu'on est en train de nous manipuler par l'extérieur, on venait à Nairobi, nous allons vous aider à ce que vous puissiez causer tout ça. Qui va aider les Rwandais à causer avec les FDR? Est-ce que nous, les Congolais, nous sommes capables d'identifier que non, ce groupe, c'est un groupe étranger? Est-ce que les Congolais a-t-il dit que combien de groupes étrangers existent chez lui? Et comment vous allez les qualifier? Comment vous allez dire que non, ce groupe armé est un groupe étranger et ils sont en train d'opérer sur votre territoire? Ce sont les désordres. Nous sommes dit ceci, il faut absolument que les conférences des territoires doivent avoir lieu afin de rétrocéder le pouvoir. Dans les territoires où il n'y a pas de lutte armée, il n'y a pas de groupes armés, ça sera facile pour eux, ils vont se réunir. Mais dans les territoires où les groupes armés opèrent, nous devions appeler, c'est comme ça que les conférenciers qui seront par exemple à cette conférence-là, des états de lieu, devront appeler tous les chefs de groupes armés opérant dans ces territoires-là à venir se présenter en se disant, vous êtes inclus dans la discussion de la recherche de la paix. Et la recherche de la paix, c'est que le pouvoir maintenant est donné au territoire de résoudre les problèmes sécuritaires, de résoudre les problèmes économiques, de résoudre tous ces problèmes. Alors votre apport est nécessaire afin que vous puissiez assister. Et maintenant, c'est là que nous saurons que non, nous avons à peu près dans notre territoire, et parce qu'ils se connaissent, ils vont se dire que nous sommes 20 groupes armés dans notre territoire. Alors, si nous savons que vous n'êtes pas des Congolais, c'est là où nous saurons dire que non. Ici, dans notre territoire, nous avons 50 ADF, mais dans ces 50 ADF, il y a par exemple 10 qui sont des Ougandais. À ce moment-là, nous serons capables de dire à l'Ouganda, venez prendre vos gens. Nous serons en mesure de dire au Rwanda que non, nous avons vos gens ici, venez. Parce qu'aujourd'hui, vous allez. Ce que je lis avec les déclarations de Mouzito et Martin Fayoulou qui disant que non, il faut demander aux Rwandais de venir prendre ces gens. Est-ce qu'ils connaissent? Ce sont eux qui les envoient ici. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec nous, les Congolais. Vous pouvez demander vraiment à Kagame de venir prendre ces gens chez nous. Mais nous devons chercher la solution. Et de l'autre côté aussi, dans l'opposition, on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas pour la solution. C'est ça que je me dis, nous sommes encore très loin. Vous ne pouvez pas dire à Kagame de venir prendre ces gens. Vous devez dire à Kagame, voici vos gens. Voici vos gens ici. Parce que nous saurons que vous êtes des étrangers, vous êtes des Rwandais, vous êtes des Burundais, vous êtes des Tanzaniens. On va les prendre et puis on va. C'est comme ça. Lorsque vous n'êtes pas à mesure d'appeler les gens tout autour d'une table, de s'identifier, de se dire que non, voici, nous sommes 600 de Codeco, voici nos membres. Voici ce que nous sommes, voici notre organigramme. Ok, venez assister aux assises de paix. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont à Nairobi, tout le monde conteste. Non, Ezana Batumsusu, Bazana Zambakuna, on tient compte de la décision d'appeler ces gens, ce n'est pas Kinshasa. Ils sont décidés à partir de Kigali, tout ça. Donc, toutes ces histoires-là montrent que non, le président de la République a tapé encore une fois de plus. C'est pour cela que dès le départ, nous lui avons signifié qu'il ne fallait pas aller à Nairobi. Il n'est pas néanmoins encore trop tard de faire les choses comme il se doit. Moi, je pense que les gens qui sont à Nairobi doivent revenir. Lorsqu'ils reviendront, qu'ils disent maintenant que non, nous allons assister à ces états de lieu de chaque territoire. Nous opérons dans chaque territoire. Nous allons nous identifier pour que nous puissions être considérés comme des composantes de paix, des composantes de groupes qui cherchent la paix et non la guerre.
qui cherche le bien-être et non, parce que tout le monde dit que non, nous voulons tous la paix. Nous voulons tous la paix. Alors, que chacun dans son milieu puisse aller s'identifier et compter le nombre de... Vous allez dire que non, nous allons mettre le DDRC si c'est le DDRC. Donc, vous ne connaissez même pas le nombre de ceux que vous allez aider. C'est comme ça que ça tarde à venir. Mais si vous saviez déjà que non, maintenant, ça ne sera pas l'armée, mais ça sera le groupe des gens qui vont assurer la paix, parce que l'armée, nous allons la reconstituer lorsque nous entrerons dans la 4e République. Et nous aurons à mettre les conditions pour être dans l'armée. Mais en attendant que le pays est maintenant, c'est une phase de préparation. Alors, ne manquez pas demain dans l'édition de demain où nous allons parler de la transition, de la période de transition. Nous pensons que le président de la République devrait maintenant commencer à proclamer cette période de transition où nous allons réorganiser le temps à entrer dans la 4e République. Nous allons en parler. Ce ne sont que des idées que nous sommes en train de mettre. Les gens peuvent penser que non, nous sommes en train de rêver. Non, il y a des gens qui nous consultent et qui nous disent que non, ce que vous dites là est vrai. Il faut que nous puissions le faire. Est-ce que vous pouvez nous aider à réfléchir? C'est comme ça que nous continuons. S'il n'y avait pas de feedback, nous aurions déjà arrêté. Mais l'idée est claire et que c'est par là que la République démocratique du Congo devra passer. Alors, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. En remerciant encore tout le monde qui a continué à s'abonner et partager nos émissions. Ça nous fait du bien lorsque nous allons vivre beaucoup de partages, suivre des parties des émissions dans des groupes où les gens commentent ou bien les gens nous encouragent. Ça nous fait extrêmement plaisir. Et si cela continue dans cette optique, nous allons vraiment grandir. Une chose aussi, n'oubliez pas de faire un j'aime ou dislike. Si vous n'aimez pas, aimez. Si vous aimez, laissez un petit geste, un commentaire. Ça nous fait grandir notre visibilité sur le net. Merci beaucoup. Portez-vous bien. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.